Bienvenue chez Roderick. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur une nouvelle machine. Alors pour vous la présenter, nous allons revenir un tout petit peu dans le passé. Nous sommes en juin 1990. Il fait une température extérieure d'environ 22 degrés. Fin 1989, il est sorti une machine chez Apple qui est le Macintosh 2, qui est la première machine équipée d'un 68030 à 25 MHz. Mais nous sommes en juin 1990. Pour tracer un tout petit peu, donc sur le marché, on n'a que ce Mac avec ce processeur-là. Côté PC, Intel vient de sortir le 486 à 25 MHz, mais les PC sont encore vendus avec des 386 20 ou 25 MHz. Du côté de Motorola, Motorola a sorti le 68040, vient de le sortir, mais les machines ne l'utilisent encore pas. Elles sont toujours avec des 68030 à 25 MHz. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est une machine qui date de juin 1990, qui est l'Amiga 3000. Le voici. C'est l'Amiga que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est la machine qui était au top de sa génération quand elle est sortie en juin 1990. La première machine Commodore avec l'ECS. C'est aussi la première machine Commodore avec un processeur à la pointe qui était le 68030 à 25 MHz. En plus, cette machine elle a un coprocesseur mathématique 68882, lui aussi à 25 MHz. Mais c'est pas tout. On va faire le tour de la machine et on va regarder un tout petit peu derrière. À l'arrière, on a toutes ces connectiques. Donc vous reconnaîtrez notamment la sortie RGB classique qu'on a sur tous les Amiga. La sortie audio stéréo qui est toujours gérée par Pola. Un port parallèle comme les autres Amiga. Un port pour brancher un lecteur de disquette externe et un port série. Mais cette machine a en plus le SCSI intégré, c'est le premier des Amiga à avoir le SCSI intégré. Hein. Dans le 2000, il fallait acheter une carte additionnelle pour avoir le SCSI. Mais elle a aussi le VGA. Le VGA, tout simplement, parce que cette machine intègre par défaut un scan doubleur. Le scan doubleur qui s'appelle Amber dans la machine, avec ce petit interrupteur qui permet de le désactiver ou de l'activer. On peut le laisser désactiver si on a un moniteur multi-sync branché en VGA. Mais on peut également y brancher un moniteur VGA et activer Amber. Et on aura une image qui sera automatiquement doublée. Donc tous les doubles pales seront en progressif sur un écran VGA. Donc cet Amiga, il est un peu comme l'Amiga 1000. C'est-à-dire qu'il peut charger son Kickstart sur une disquette. Je l'ai ici, donc il peut charger le. Cette disquette contient le Kickstart 1.3 et la machine a en ROM le Kickstart 2.0. Il faut savoir que les premiers Amiga 3000 sont sortis en Kickstart 1.4 qui n'a pas existé puisque finalement il a été appelé Kickstart 2.0. C'est aussi la première machine donc, qui est livrée avec le Warbench 2. Donc cette machine était vraiment à la pointe de la technologie pour l'époque. Elle a même existé en version avec un Unix d'AT&T installé par défaut sur la machine qui lui permettait d'atteindre le monde Unix. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le capot de la machine, déplacer la caméra et on pourra découvrir comment est constitué un Amiga 3000 à l'intérieur. Une fois le capot enlevé, voilà l'intérieur de la machine. Vous serez peut-être surpris de voir qu'elle a toujours sa barrelle batterie, mais la personne qui m'a cédé cette machine a changé la barrelle batterie toutes les périodes qui étaient nécessaires, c'est-à-dire que c'est son troisième changement. Ce qui fait que si vous regardez la carte mère de près, il n'y a pas la moindre coulure d'acide. Cette batterie, je vais la laisser encore, je pense, un an ou deux, et puis je la supprimerai définitivement pour mettre une CR2032 à la place, mais pour le moment, vu qu'elle est neuve, qu'elle a été remplacée au mois de mai, elle va rester dans la machine. On peut voir que cet Amiga 3000 a un lecteur de disquette ou un lecteur de disquette un peu comme l'Amiga 500, mais avec un bouton différent et un emplacement pour un deuxième lecteur de disquette.
Le disque dur est un... C'est pas le disque dur originel celui-ci, puisque celui-ci est un Apple, mais il faisait 52 mégas. Celui-ci, c'est un 40 mégas seulement. Moi, ce que j'adore sur cette machine, c'est le soin que Commodore a apporté dans cette machine. Ils ont vraiment mis toute leur expérience qu'ils avaient à l'époque pour faire cette machine. Elle est en ECS, elle a le SCSI intégré, et c'est la seule de la gamme Amiga qui aura le SCSI. Hein. Les versions supérieures, comme le 4000, sont des machines qui n'ont plus le SCSI, qui ont de l'IDE pour réduire les coûts, et qui n'ont pas bénéficié de grade majeur comme cette machine à l'époque. On peut voir le soin avec l'alimentation qui est un peu comme le 4000, mais c'est pas une simple tige, hein, c'est vraiment un bouton. Et à l'intérieur de la carrosserie, c'est une tige métallique cette fois, hein, c'est pas du plastique pour pousser l'alimentation. Encore quelque chose qui me pousse dans la qualité de fabrication de cette machine. Je ne vais pas vous montrer le reste de la carte mère parce que ça nécessiterait de démonter tout ce côté-là. Et j'éprouve aucun besoin d'enlever la carte mère pour le moment. Il n'y a pas de condensateur de surface, donc il n'y a pas les risques qu'on a dans un Amiga 4000 ou une CD32. La batterie est neuve, donc pour moi, tout va bien comme ça. Puisque cette machine a un emplacement vide, je me disais que j'allais mettre ce lecteur. Ce lecteur m'a été donné avec cet Amiga 3000. Soi-disant, c'était son lecteur d'origine, mais non, c'était pas son lecteur d'origine parce que c'est un Chinon FB354 comme celui que j'ai réparé sur l'Amiga 500. Alors que je m'attendais à un lecteur de disquette HD. Ce lecteur de disquette, pour le remettre en marche, par contre, celui-ci, ça n'a pas été si simple que sur le 500. J'ai été obligé de changer le moteur d'entraînement de tête. Parce que il était complètement cassé. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu le jeu que peut avoir l'axe sur le moteur. Et le jeu qu'il a dans ce sens-là aussi. Donc comment il peut guider une tête correctement. Voilà, mais ce qui va m'empêcher de le monter, c'est pas tant les fixations d'Amiga 500 que je peux très bien enlever. D'ailleurs, il y a même des trous qui permettent de les conserver. Donc on va même les laisser pour l'instant. Ou pas, c'est que je n'ai pas le support. Le support pour le lecteur de disquette, et je l'ai pas dans cet emplacement là, donc je vais pas pouvoir le monter aujourd'hui comme je l'aurais souhaité. Ce qui va se promener si je ne mets pas un support. Mais mon but, comme sur la façade, je n'ai pas le deuxième cache de lecteur de disquette, je comptais lui mettre tout simplement les deux lecteurs de disquette. Mais on verra ça plus tard. Donc, sans plus attendre, je vais tout simplement remonter cet Amiga 3000. On va mettre un écran dessus et on va démarrer la machine. Mais juste avant de le remonter, je voudrais vous montrer un dernier détail. Même le détail dans les vis de la machine. Les vis ont été peintes pour faire joli sur le côté de la carrosserie quand elles sont mises. Franchement, l'équipe de Commodore a mis tout son cœur dans cette machine et c'est vraiment une des rares machines Commodore, quoi. C'est la dernière qui a été faite vraiment. Donc pour tester cette machine, j'ai mis un écran VGA, bien sûr. Un écran VGA et j'ai activé le scan doubleur sur Amber. Donc on va pouvoir démarrer la machine. Je ne sais encore pas tout à fait comment un Amiga 3000 ça fonctionne d'un point de vue des kickstarts, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il charge d'abord son kickstart sur le disque dur avant de rebooter pour démarrer le Warbench. C'est le même genre de choses que je faisais sur mon Amiga 500 avec le disque dur pour soft-kicker le kickstart 2.1. Donc on est en kickstart 2.03, je crois. Et on a 2 mégas de mémoire chip et on a 8 mégas de mémoire fast. La machine d'origine, elle est livrée avec 1 méga de mémoire chip et 1 méga, je crois, de mémoire fast. Mais ce que Commodore a prévu, c'est que la mémoire chip et la mémoire fast, ce sont les mêmes chips. Donc, celui qui voulait upgrader sa mémoire fast de sa machine pouvait tout simplement prendre le méga de mémoire qui était en fast, la mettre en chip
et ensuite populer ces emplacements de barrettes de fast RAM, ces chips de fast RAM. Ça permettait de ne pas perdre de mémoire et de réutiliser la fast RAM en chip RAM. Et donc, c'est pour ça qu'on peut monter la chip RAM à 2 mégas. Avec cette machine, j'ai aussi toutes les disquettes d'origine. On m'a dit que ces disquettes-là étaient extrêmement rares et qu'elles n'avaient pas été backupées sur TOSEC. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le CryoFlux et puis je vais faire des sauvegardes de ces disquettes et les uploader probablement dans l'archive TOSEC. Si elles n'y sont pas, je vais quand même consulter avant parce que ça me surprend. Pour regarder un petit peu ce qu'il y a sur cette machine, donc, le Warbench a été réinstallé par la personne qui me l'a vendu sur un disque dur neuf, donc il n'y a rien d'installé sur le disque. Hein. Le disque dur est complètement vide. Donc j'ai tout à faire, tout à installer sur cette machine. J'ai mis des outils sur cette disquette de Warbench 1.3 que j'utilise de temps en temps, donc on va en profiter. Bah évidemment, ça, il faut ouvrir une shell. Mais on a déjà 6 infos. Alors, comme on est sur comme on a le scan doubleur, hein, à partir du moment où il passe dans une résolution qui n'est plus une résolution entrelacée, ben, le scan doubleur va quand même la passer à 31 kHz. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il a une ECS Anius, il a Super Fat Anius, l'Anius qui supporte 2 mégas. Il est full ECS, donc il a Denise aussi en ECS. Il a un 68030 et un 68882, un 68030 complet. Tous les deux à 25 MHz. Et si on fait un speed, on va voir qu'on va retomber à la vitesse d'un Amiga 3000 à quelques pouillèmes près. Voilà. Un tout petit peu rapide qu'un Amiga 3000, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la mémoire fast, c'est peut-être de la static column qui a été mise dans cette machine. Je ne suis pas certain, il faudra que je regarde. Parce que les Amiga 3000, leur particularité avec le 68030, le 68030 supporte un mode de transfert qui est le burst mode, c'est-à-dire qu'on lui donne la première adresse d'une banque mémoire et on n'a pas besoin de lui donner les suivantes, il est capable de faire une lecture burst. Et pour que ça fonctionne parfaitement, il faut la mémoire qui soit adaptée. Donc cet Amiga 3000 supporte la mémoire en static column pour la fast RAM. La static column, c'est une mémoire qui, on lui passe la première adresse et ensuite il se passe une lecture séquentielle sans redemander les adresses suivantes. C'est le principe, donc on voit encore une fois que cette machine a été vraiment pensée pour exploiter au maximum le processeur. Elle a vraiment été pensée jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail du 68030. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Bon, les drives, si on allait regarder la vitesse du disque dur. C'est pas phénoménal, mais c'est un disque qui est très ancien, puisque c'est un 40 mégas. Je suppose qu'avec un disque plus rapide, on aurait des taux de transfert plus rapides. On a vu d'ailleurs que la LED était constamment allumée. Voilà. La particularité aussi, comme vous avez vu, qu'il soft-loadait le Kickstart. Si on va faire un tour sur le disque du Warbench, donc j'ai fait afficher tous les fichiers, et qu'on va dans Dev, là on a le Kickstart. Le Kickstart que l'Amiga 3000 va charger au démarrage sur le disque dur. Après. Maintenant on va regarder un petit peu ce que nous dit Witch Amiga. Problème de barre espace.
Oh. Je m'attendais pas à ce genre de comportement, mais Witch Amiga pose quand même quelques soucis pour voir cette machine. Une des choses surprenantes sur cette machine, c'est qu'on a un Warbench qui est en bêta. C'est une version 2 bêta qui est installée. Donc c'est vraiment des versions bêta. Ouais. C'est peut-être pour ça que ces disquettes sont rares. Donc je vais leur démarrer parce que là il m'embête un petit peu. Pour tester plus avant cet Amiga 3000, ce que je peux faire, c'est charger un jeu. Donc j'ai pas les deux lecteurs, donc je vais mettre les disquettes une par une. Le jeu que j'utilise habituellement sur les Amiga pour regarder qu'il fonctionne bien, c'est Pinball Fantasy. J'ai l'impression que pas mal de jeux ont des problèmes avec le Kickstart qui est sur cette machine. Donc il faudra quand même que je vois si je peux mettre un Kickstart un peu plus un peu moins bêta sur le disque dur, histoire qu'il me charge un Kickstart qui soit en version finale. Passant d'entrelacé, ça scintille pas. Donc les premières choses que je vais faire sur cette machine déjà, c'est que je vais démonter le clavier ainsi que la barre espace et démonter la façade de l'Amiga 3000 et que je vais les passer au RetroBright, histoire et ainsi que sa souris d'origine, hein, qui est la même que les souris d'Amiga 500, histoire de lui donner une tête un peu mieux. Donc voilà, on a un jeu qui fonctionne, hein. C'est quand même agréable de voir ces jeux sur un écran VGA. C'est quand même super net. Quoique là, il faudrait quand même que je règle un tout petit peu le contraste sur cet écran qui est un petit peu bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la façade de l'Amiga 3000. Je vais démonter son clavier et sa barre espace, ainsi que sa souris, pour aller les passer au RetroBright et je vous retrouve juste après pour vous avec une machine qui ressemblera plus à un Amiga 3000 de 1990. Donc voilà, on se retrouve devant l'Amiga 3000. Il est passé au RetroBright, donc voilà. La souris, j'ai peut-être un petit peu forcé sur le RetroBright, mais elle est très jolie. L'Amiga 3000 est parfait, il n'y a pas la moindre trace sur le métal. Tout s'est bien enlevé. Je vais y installer un deuxième lecteur de disquette. Donc le lecteur de disquette, je n'ai pas les attaches, mais finalement, en le fixant avec les vis de l'Amiga 500, ça tient. Oui, si j'ai pas mis l'écran sur la machine, c'était pour qu'on voit bien dans l'état exceptionnel dans lequel elle peut être remise. Hein. Et j'ai découvert plein de choses hein, en faisant ce RetroBright sur cette machine. Déjà, le clavier. Le clavier, il n'a pas une membrane comme les claviers d'Amiga 500, d'Amiga 1200 ou même l'Amiga 4000. Le clavier, il a un PCB. En fait, c'est un PCB qui a sous les touches. Donc, beaucoup plus solide. La souris, elle ressemble beaucoup à une souris d'Amiga 500, mais ce n'est pas une souris d'Amiga 500. Elle est différente, elle a un premier PCB comme les souris d'Amiga 500, et elle a un deuxième PCB sous les touches avec des gros boutons
Pas les petits interrupteurs comme on a dans les souris d'Amiga 500 et 1200, mais vraiment des gros interrupteurs, plus solides. J'ai découvert aussi d'autres choses sur la machine, donc je vais la démarrer. Donc je maintiens les deux boutons enfoncés pour avoir accès au menu de démarrage. Voilà, j'attends qu'il s'affiche. Dans ce menu, on a le menu de démarrage, donc il a le Kickstart 2 et le Kickstart 1.3. On peut démarrer les deux depuis le disque dur. Si je clique sur 1.3, il va me softloader le Kickstart 1.3 en fast RAM et il va démarrer le Warbench 1.3. Donc en fait, ce que j'ai découvert, c'est que cette machine, elle n'a pas de Kickstart intégré. Les emplacements, je ne vais pas tout démonter, mais sont probablement tous vides. Elle n'a pas de Kickstart, donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande quelle version... elle démarre par défaut le Kickstart 2 en allant chercher sur la partition du Kickstart 2. Et si on appuie sur les deux touches de la souris pour voir le menu, on peut booter le Kickstart 1.3. Et le Kickstart 1.3, il est sur une partition différente qui contient le Warbench 1.3. Elle se trouve aussi dans Dev. Le disque dur, il a au moins trois partitions. Il a la partition qui contient le système 2, la partition qui contient le système 1.3 et la partition Work qu'on voit en plus là. Et en fonction du choix qu'on va faire dans le menu où on clique avec où on appuie les deux boutons, il va donner une plus grande priorité à la partition du système qu'on a choisi, charger le Kickstart sur ce système-là et cacher l'autre partition de l'autre système. Ce qui fait qu'on ne voit vraiment que la partition du système 1.3. Et on ne voit pas celle du système 2. Elle a disparu. Voilà, donc je pense que ça va être tout pour cette semaine pour la présentation de cet Amiga 3000. Je voulais installer un Warbench 2.1 et avoir un Kickstart plus récent que le Kickstart bêta de la machine. Mais... J'attends d'avoir une carte SCSI ou SD pour remplacer ce disque dur de 40 mégas par une capacité plus grande et par un disque plus rapide. Et on verra ensemble le setup qui risque d'être sympathique à faire parce qu'il faut que les deux partitions qui contiennent le système 1.3 et le système 2 soient des partitions en FFS, en fast file system, donc en format Commodore. On ne peut pas les faire en PFS3. Donc si on veut du PFS3, il va falloir gruger un petit peu, le laisser démarrer son système, puis rediriger tout sur une partition autre en PFS3. Donc je réfléchirai à ça, et puis on fera le setup de cette machine avec son dual Kickstart. Hein. Je ne vais toujours pas lui mettre un Kickstart à l'intérieur, je vais la laisser toujours en soft Kickstart 1.3 et probablement 2.1, le Kickstart et les deux Warbench 1.3 et 2.1. Et avec les logiciels et WHD Load et les jeux sur une partition PFS3. Donc on verra ça. Je ne sais pas quand, parce que je ne connais pas les délais de livraison de la carte que j'ai commandée. Donc, moi je vais vous dire à la semaine prochaine. Et portez-vous bien.